Salut tout le monde, bonjour à tous! Bon, faut que je règle le son. Faut que je règle le son. Je vais baisser un petit peu le son, les general settings. Ouais, c'était à fond, tu m'étonnes. Voilà. Voilà. Et on va mettre le son de la musique. 14. Voilà! Ah là là, je suis toujours heureux de venir sur César Froid. C'est ma Madeleine de Proust à moi. Bon, on était où dans ce merdier là? 10 000 habitants, mais on a plein de bouffe à exploiter. Il y a des attaques qui arrivent, mais on a des armées. C'est pas mal. On a importé du marbre. Mais l'argent n'est pas un problème, parce que j'ai pas tant que ça de faveur à avoir. Je vais pouvoir commencer à faire un caravan side. J'ai un colisée en construction. Oh, il me faut du bois et une concrete. Du ciment. Ouais, bah il va me falloir 10 000 habitants. Moi, je me dis qu'on pourrait déjà... On va attendre un peu de repasser en positif au niveau thune. C'est vrai que là, j'ai fait quelques investissements. Dans l'ensemble, on est pas mal. Ça donne quoi, le chômage? 1% de chômage. On est parfait. Je peux siroter mon café en admirant ma ville. Vous noterez la ressemblance avec la ville de Lutèce, Paris, hein, l'île de la cité, là. Voilà, regardez. Hein. Putain, j'aurais pu faire un effort quand même, hein. J'aurais pu faire un effort. Bon, l'argent, ça devrait monter, là. J'espère que les... Que font les marchands? Et dans mon caravane sale, il me manque quoi? Il me manque 2 briques et 6 de bois, ok. Ah, mais c'est une blague, y'a personne qui bosse ici, mais t'es sérieux? Un petit colisée pour les JO d'Anne Hidalgo, ah bah ouais, hein. Manque d'employés, ça va être la catastrophe les JO. Moi, je vous parie quelques attentats pour les JO. Hein. Ça va péter pour les JO. Hein. Obligé. Hein. Mais bon, personne force les gens à y aller aux JO. Hein. Voilà, hein, faut assumer. Hein. Library. Tu pourras virer les mendiants. Ah oui, j'ai vu qu'ils ont envoyé des mendiants chez la ville de Galpin. À Orléans, ils ont envoyé des clodos là-bas. J'adore parce que Orléans. Attendez, je suis attaqué. Ah merde, au nord. Oh, je suis pas prêt du tout. Oh la cata. Ça, c'est une très mauvaise surprise. Oh la très très mauvaise surprise. J'ai pas de mur, j'ai rien. J'aurais peut-être dû fortifier, hein. Pourvu que mes renforts arrivent à temps. Bon, ça va être très très long à arriver, hein. Oh, il y a encore de la racaille qui arrive. Ok, mes javelinés sont en chemin. Mes autres légionnaires aussi. Oh, si je perds le run sur ça, je vais être très salé, hein. C'est bon pour la santé, elle a dit ça? Oh, je suis dans la merde. Je suis dans une merde incommensurable. Que font mes autres légionnaires? Ils arrivent. Oh, ils vont commencer à attaquer mes infrastructures. Je suis dans la merde, hein. Oh là 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 là, ça se passe pas bien. C'est pas comme ça que je voulais commencer la session. Mes légions sont en train de lâcher. Quel enfer! Attendez, vous savez quoi? Fuck it. Fuck it, vous allez pas m'en vouloir. Petit restart et puis quoi encore? Attends, hop. J'ai quelques précieuses secondes à utiliser. On va bien les utiliser. Est-ce que vous pensez que je peux faire un miracle en si peu de temps?
Est-ce que vous pensez que je peux faire un miracle en aussi peu de temps? On va essayer. C'est de ma faute, j'y ai pas pensé. J'y ai vraiment pas pensé, mais il y a des sacrées armées quand même. Voilà, si j'arrive déjà à avoir un petit bastion pour temporiser, ça pourrait être pas mal. Mais je pense pas que je vais avoir le temps. Mais va te permettre, toi là. En plus, j'ai relancé une ancienne save. Ah bon, ok. J'avais relancé une save précédente où j'avais joué 5 minutes tout à l'heure. Ça va me laisser plus de temps. C'est parfait. Ça va me laisser plus de temps. Workshop. Brickwork. L'échec. L'échec d'un homme. Un homme en panique. Ok, j'ai des balistes qui sont là. J'ai des premières balistes. J'ai des premières balistes. J'ai des balistes. Vous allez voir, on va sauver ça. On va dépenser sans compter. Je vais sauver ça. Hors de question que je relance une game. Voilà. Et là, je vais verrouiller l'accès. Pour le forcer à faire un truc. Voilà. C'est bon. Regardez. Pas mal. Par contre, ça m'a coûté une blinde. Hein. Je vais donner. Oh, j'ai même pas d'argent à donner. Maintenant, je dépense plus rien. Il faut que les marchands viennent acheter. Hein. Il faut que ces cons de marchands viennent acheter. Hein. Bon, on a une belle ligne de défense. Et on essaiera de temporiser devant les murs. Ils arrivent. Allez. Oh, Mars qui a... Oh, magnifique. Mars qui m'a envoyé un petit esprit et dévot. On va directement les attaquer. On va directement chercher la castagne. Allez, les balistes! Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite! Y'a trop de micros! Oh là 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 là, ça arrive! Ok, mais les légionnaires tiennent! Les balistes supportent! Allez! Ouais, je sais que t'es pas content. Oh, et Mars qui me donne un petit coup de... Oh, mais tout ce qu'il y a! Ok, mais les jeunes tiennent. Pas mal! On a quand même minimisé la casse.
Oh, il y a toutes les balistes. Allez. Putain de merde, cette attaque. Cette attaque tout droit sortie de l'enfer. Bon, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé les limites de ma vie, là. Dans le nord, hein. Allez, on retrouve fort. Mais les légionnaires ont bien travaillé. Les étalons, comme ils s'appellent. Putain, j'avais perdu, hein. Bon, je vais me calmer au niveau de l'argent parce que... Oh, le marbre. J'ai continué à importer du marbre. Je me déteste. J'ai pas bloqué l'importation du marbre. Oh, not importing. Faut que je me dépêche de rembourser parce que... On est en août. Attends, mais... Comment ça se fait que mes armes ne se vendent pas? Oh, je crois savoir pourquoi. Le problème, c'est qu'il est tellement occupé à acheter des meubles. Achète des armes, là. Ouais, il va m'acheter un max d'armes, là. On va se régaler. Allez. Allez. Voilà. 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 Magnifique. Ah, il est beau, hein. Regardez mes défenses. Pas mal. Ça donne le mur d'Adrien. Bon, j'ai envie de dépenser de l'argent parce que là, je suis en négatif. César est pas content. We're in trouble. I love coming here. Ouais, la P50, putain. Oh, mais il venait. Ici, je vais autoriser... Oh, parfait. Et je vais stocker la ressource. Hop. Stockpiling resources. C'est parti. Tu vas m'acheter des poteries, toi, hein? Tu vas vider mon stock de poteries, j'espère. Je vais augmenter le nombre de biens que peuvent acheter les caravaniers. Ils n'achètent rien. C'est une blague, je suis en limite de poterie. Il a déjà tout acheté. Il a déjà tout acheté en poterie. Merde. Et en meuble aussi. Oh, j'aurais jamais dû acheter du marbre. Oh, César va être furieux. Après, César, je peux lui péter la gueule. Hein. César, en soi, je peux lui péter la gueule. Et mes troupes, elles reviennent. Ok, mes armées sont bientôt revenues. César, éventuellement, je peux lui péter la gueule. Hein. Vu les armées que j'ai, c'est gérable. Hein. Un dépôt supplémentaire, je sais pas si c'est possible. Un warehouse. Voilà. Voilà, tu vas accepter entre autres le bois et l'argile. Voilà. Parti. Ah, your victorious people, mes légions reviennent. Ah, elles ont pris cher. Il est toujours actif le corps, absolument. Bien sûr qu'il est actif et il crache même beaucoup. Hein. J'ai une attaque là, mais j'ai le temps d'aller me débarrasser des loups en vitesse. On va aller se débarrasser des loups, ce sera fait. Le caravanside. Enfin, il me manque du timber, mais on a... Comment ça se fait que j'arrive pas à trouver d'employés dans cette ville à la con, là? Ouais, il me faut... Ici, il me faut des meilleures sources d'entertainment. On va mettre... On va mettre une arène. Voilà. Et là, on va mettre école de gladiateurs. Parc à Lyon. Voilà. Tu veux te distraire? Le ZIF de Pépé. C'est quoi le ZIF? Le ZIF. C'est un peu loin. Je
Je parle que français, je parle pas mongol, malheureusement. Alors je demande quoi. C'est à quoi le zif? Le sillon interfessier, magnifique! Magnifique! J'avoue qu'il y a de la recherche, ça me plaît! Par contre, l'argent, c'est la cata là en novembre! Et mes armes là, il veut pas venir acheter mes armes? Il veut pas venir acheter mes armes là? César va pas être content, hein. Good. City in debt. Oh merde. Aïe. Je suis dans la merde. César est furieux. Pour repousser l'attaque, là, j'ai dû me mettre dans le rouge. Mais au moins, on a des défenses au nord maintenant. Ici, on sera bien protégé. Non, les taxes. Ah. D'ailleurs, je sais même pas si les taxes je récolte si bien que ça. Tax income. Ah, si, les taxes, on est pas mal. Les taxes, on est pas mal du tout. Mais je pourrais commencer à essayer d'améliorer aussi les bâtiments. Il va me falloir plus d'arènes et tout ça. Alors après, bientôt là, je vais avoir mon colisée. Il me faut plus d'ateliers de bois. Parce que. C'est bon. Décembre. Attendez, pause. J'ai combien en caisse? 400, j'ai pas assez de salaire. J'ai pas assez de salaire, il me manque 724 pour être de nouveau solvable. Après, on est en décembre, la nouvelle année va arriver. La nouvelle année va arriver. Janvier, allez. Libère les loups. Ouais, absolument. Bien vu. Défoncer les loups. Je suis légionnaire. Ah! Parfait. Let's go. Il se ferme. Mais je crois que c'est parce que je suis passé en positif. Je crois que j'ai passé en positif pendant un court instant. Ce qui fait que c'est bon, ça re-kick le merdier. Là il va venir acheter de la poterie, même si César est pas content. César, flammeur, 52. Voilà. J'ai besoin que de 42 faveurs avec César. On est bien. Là il faut que je me refasse un trésor. Et il me faut plus de... Ok, les concrete. On a lancé. En fait, si j'ai pas de. J'ai pas d'employé. Je manque d'employés dans ma putain de ville. Putain, not accepting, j'y crois pas. C'est un roadblock de merde. C'est pour ça que je trouve pas d'employé. Voilà. Là maintenant, les recruteurs, ils vont trouver des employés. Il y a des employés dans ma ville, c'est ça le truc. J'ai même du chômage dans ma putain de ville. 4% de chômage, je vais faire croire que ça veut pas bosser. Il faut plus de bois. On est... Allez, le positif hein. Eh, ce caravan-sai là.
Ok, ça avance. Il manque plus que 4 de bois. Déléo le cringe. Le cringe lord. Parce que on en a des cringe lords hein, sur ce chat, hein, entre Chouan et Arlenus. Tu vas avoir de la compétition, hein. Oh, l'argent. Allez, directement, j'ai de l'argent. On fait péter les plazas. Voilà. Les plazas. On va mettre une arène. Voilà. On va faire en sorte que tous ces gens deviennent heureux. C'est une arène. On va attirer de la populace. Pourquoi ils sont pas heureux ici? Pas Sphinx. Alors. Alors, matière première. Raw material. Timberyard. On va augmenter la production. Oh non mais... J'ai jamais content ce connard. Allez, un légume. Et on peut envoyer à César du merdier. Attends mais, quelqu'un a consommé les légumes là? Ne me dis pas que j'ai... Que j'ai oublié de les stocker. Ouais, stockpiling. Ok. To a library. Je vais te la mettre à l'intérieur, tu vas voir. Library. Voilà. Bon, on a des sacrées armées. Les légions sont prêtes. J'ai 6 forts. On est bien. Maintenant, on va mettre de l'argent de côté et on va préparer la future expansion qui va m'amener à 10 000. Je pense que tout ça, on va le coloniser. Ici, on a l'eau, la bouffe à proximité. Sur Manor Lord. Manor Lord. J'ai jamais joué à Manor Lord. Et je l'ai pas. Peut-être un jour. Hein. Après, Khazar 3, c'est ma jeunesse. C'est un jeu qui a 26 ans. Peut-être plus vieux que toi. Donc, voilà. Au niveau des thunes. Tel, il peut acheter des armes. Et j'ai encore de la poterie à vendre. Ok. Ah oui, vas-y, achète-moi des armes. Vide-moi! Prends-moi tout! Ah, il est même pas encore sorti! Bon, il a rien acheté. C'est une blague. 7 meubles, là, d'accord. Et toi, là, tu vas m'acheter des poteries. Ouais, ouais, tu vas m'acheter des poteries. Ouais, les dieux sont pas contents, t'inquiète. Les dieux, ils vont t'aimer à un moment. Et là, pour le moment, on a des priorités. Allez, ici on a enfin un Linku, coucou. Ici j'ai enfin lancé la concrete, workshop, concrete maker, voilà. On a plein de briquettes. Ce qui me manque, c'est un petit peu plus de bois. On va faire un peu plus de bois, c'est pas un problème. Si on coupe. Hein. Est-ce qu'il resterait un peu de bois à exploiter? Tiens, ici là. Bon matériel. Regarde. Je vais te trouver du travail, moi. Un palais bien organisé, ça va pas. Tu rigoles? Mec, j'arrive sans problème à tout faire tourner. On a la culture, la prospérité, la faveur. Il nous manque juste 4000 habitants. Pas un problème, hein. Un jeu comme Norland, construction de village et bataille civile, j'aime le school. Même pas de chômage. 22 chômeurs, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. On est pas mal, je trouve. Et si j'avais assez d'argent, je pourrais importer de l'huile. Mais on va pas le faire tout de suite. Et là, je suis en train d'installer un caravansai. Il me manque juste un petit peu de bois. Et là, j'ai mon colisée en cours de construction. Mettez-moi ça. On est en train de sortir le béton. Mes villes sont toujours très chaotiques. Je suis quelqu'un de très chaotique, mes villes... Mes villes, c'est toujours le bordel. Ici, j'ai peur d'avoir une attaque à l'occasion. Hein. Si j'ai une attaque ici, je suis dans une merde énorme. Là, ça arrive par là. Je pourrais éventuellement commencer à bétonner. J'ai un peu d'argent.
pas trop dépenser tout de suite. Voilà. Allez, viens acheter mes armes. Viens acheter mes armes, elles sont bonnes mes armes. J'ai vraiment besoin que tu m'achètes des trucs là. Voilà, achète, achète, c'est parti, l'argent. Les profits que je fais ici rendent le mal de mer supportable. Voilà. Parfait. Putain, le bois. Je n'arrive pas à produire assez de bois. C'est terriblement frustrant. On est monté à... On est en bas sur les 6000 habitants. A besoin de plus d'habitants, bah ouais. Mais j'ai pas trop d'argent là. C'est quand même dingue qu'avec autant d'export, j'arrive pas à. Putain, ils m'achètent bois, armes et tout. Voilà, César est content de faire évoluer les fontaines de thème. Non, c'est juste visuel. Ça veut dire que la valeur du coin est beau. Pareil, tu vois, les marchés, ils évoluent. Là, t'as un marché qui a évolué. C'est juste, je crois que c'est esthétique. Hein. Voilà. Ici, on pourrait même... On va se focaliser sur... Ici. Non, j'ai une attaque qui arrive. Hein. J'ai une attaque qui arrive dans pas longtemps. On va se préparer à les accueillir. Normalement, toutes les pertes ont été complétées. Tu as envie de rejouer avec tes let's play. C'est le but, hein. C'est le but, hein. On ne peut pas ne pas avoir envie de jouer à ce magnifique jeu. César est pas content. Ah, on est en décembre. T'es arrivé un petit peu tôt, là. Engagez Bruno Le Maire. Ah là là, Bruno, il est dans la merde, Bruno. Ah, il est trop occupé à écrire ses bouquins, les gars. Hein. Vous savez, quand t'es ministre de l'économie depuis 7 ans, que t'arrives à sortir des livres, y a un problème. Hein. J'ai vu en 2000, on retrouvait dans un livre, pareil, bah, ouais, joystick. Hein. Eh, le jeu a 26 ans. Hein. Ok, là on aura bientôt l'autre niveau supérieur. Et ici on y arrive. Hein. Putain, le timber là c'est lent. Mais c'est lent. Ça fait 3 jours que je lutte à cette fin de soir. Mais c'est génial! Tu sais, tu fais une... Même les missions ne durent pas trop longtemps. Il y a du challenge. C'est cool. Perso, j'ai lancé une campagne avec le mode Augustus. César 3, je suis même pas sûr qu'il tourne. César 3 de base. Mais avec ma version GOG, là vous avez Augustus, le jeu tourne superbement bien. Putain, j'arrive pas à faire de thunes, c'est indécent que j'arrive pas à faire d'argent dans cette ville. On est en janvier là, venez m'acheter des trucs, bordel. Ah oui, Augustus, c'est obligatoire, tout à fait. Vous pouvez pas jouer sans Augustus, je pense. Je vais essayer de favoriser les exports. Regardez là, il y a tout le bois qui arrive. Ça va permettre de enfin finir le caravansai. J'ai peut-être été trop gourmand en voulant faire le caravansai et le colisée en même temps. C'était juste pour le voilà pour la classe. Là, le caravan size, c'est bon. Ma production de bois est en train de enfin commencer à quitter. Là, j'ai beaucoup de réserves et tout, on est bien. Le problème, c'est l'argent. Pourquoi ils achètent pas, bordel de merde? Qu'est-ce qu'ils glandent, les marchands?
Putain, allez, vous, là. Vous, là, qu'est-ce que vous glandez? Viens acheter mes meubles et mes armes. Dès que ça sera fini, là, je vais mettre plus... je vais augmenter le prix des exports. Hein. Comme ça, je vais me faire plus 20% de revenus. Et ça va me faire beaucoup d'argent. Parce que là, je suis à sec au niveau de thunes. Ce qui est affreux quand je pense de ce que j'exporte. C'est peut-être le militaire hein, qui me coûte super cher. Hein, dans mes finances. Hein. Expense, building, wage, ouais, les salaires. Je vais augmenter un peu les taxes, ok. Je vais augmenter les taxes à 10% de la politique sur la ressource. Quelle ressource? Non, non, tout est en vente. Hein. Tout est en vente. On va voir qui paye pas d'impôts chez moi. On vend le fer pas rentable. Le fer ne rapporte rien au niveau de thunes. Ok, il me manque... Il y a certains endroits qui ne payent pas. Ouais, mais bon, si c'est juste... forum... non. Non! Putain. Je vais faire un misclic. Comme si j'avais pas de problème d'argent déjà. Forum... Ah. Non, le fer est absolument pas rentable, malheureusement. Voilà, l'argent, l'argent, l'argent! Putain, mais là... Le cara... Ah, la phase 2. On a presque fini le caravansai. Et là, le... Et on a le Colisée en train d'avancer aussi, voilà. On n'a pas des villes qui se débloquent en plus pour le commerce. Ça dépend. Ça dépend de sur quel scénar t'es. Ça dépend de beaucoup de choses. Ah, les marchands qui arrivent. Allez, viens, gamin. Voilà, l'argent. L'argent. Merci. Voilà. Je suis en train d'économiser mon marbre pour mon colisée. Alors, bois et pierre, facile. Bois et pierre, j'en ai tout le tour du ventre. Bois. Bon, le bois, ça va arriver encore, mais on est bien. J'attends de faire un peu plus de thunes. Ah, mon caravansai. Alors, no land trade policy. Ah non, il me faut des employés d'abord. Il me faut des employés, putain! Il me faut des employés. Et il me manque des gens dans ma ville. Bon, il va falloir que j'agrandisse la ville. J'ai pas le choix. Ah ouais, il me manque beaucoup d'employés, là. Il me manque véritablement beaucoup d'employés. On va commencer à passer au plan quinquennaux. Carte, water, voilà. Comme ça, tu vas voir. Tu veux des maisons, je vais t'en donner, moi, jusqu'à plus soif. Ah. L'opti, ça sert à rien. Faut du chiffre. Variable, ne fais pas évoluer les maisons. Oh là 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 là, mais non. Chaque maison a des conditions. Là, pour passer le tiers supérieur, il me faudrait de l'huile maintenant. Mais je peux pas faire d'huile, il faudrait que j'importe de l'huile. Ce qui ne... Est-ce que je peux importer des olives? Je pourrais importer des olives et faire de l'huile, en fait. Ça pourrait être une solution pour faire augmenter mes maisons. Mais pour l'instant, j'ai pas le besoin, en fait. Voilà. Statue. Voilà. Garden. Oh, des magnifiques jardins, regardez ça. Je crois que c'est le niveau supérieur pour avoir des... Allez. Parfait. Market. Je suis attaqué. Oh, l'enfer, le nord. Le Nord! Mon pire cauchemar! Mon pire cauchemar, mon point faible! Ce dont j'avais peur!
Là où mes défenses sont le plus faibles. Bon, j'ai 6 légions. On espère qu'ils vont avoir le temps d'arriver. Oh là 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 là. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Rose. Je vais mettre des murs en vitesse pour que les javeliniers puissent tirer. Voilà. Mon caravansai. Je vais les employer. Alors. Lord Export. Ça tombe bien, j'importe rien. On va faire plus 20% d'income. Là, l'argent va monter. C'est parti. Les javeliniers sont là. On va essayer de les attirer sur les flancs. Le but c'est de temporiser tant que les légionnaires arrivent. Ça arrive. Je suis absolument pas en place. Je vais baisser la vitesse. Non, 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 non. La, 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 la. Mais les légionnaires arrivent. Je ne suis pas en place du tout. Replie-toi. Allez, mes légions sont là. On rentre dans le tas. C'est bon. J'aime bien les mecs qui passent là. Coucou, ça va? Coucou? Ça sympa votre bataille là? C'est bon. C'est bon. Putain, on a tout poussé, hein. Ça, c'est pas joué à grand chose, hein. À se repousser. Pas mal. Assaut repoussé. Préfecture. Études d'ingénieur. On a oublié tout ça. Voilà. On va aussi mettre le barbier et le docteur tout de suite. Ça sera fait. Les dieux. Les dieux sont contents dans l'ensemble. On va pouvoir commencer à faire péter des oracles maintenant. Oracle. Hop là. L'assemblée de papy, oh, ça va? Ça va? Ça va quand même. Voilà. Un petit forum. Encore à la salle en écoutant un pépé, putain. Le mec est en train de soulever de la fonte. Se regarder dans le miroir. Ses muscles luisants et suintants. Le corps enduit probablement d'une huile de monoï ou un truc de ce genre. Et il écoute le son de ma voix. C'est terrifiant quand on y pense. Un petit amphithéâtre. Voilà. Ça c'est de la motivation, putain. Et pas qu'un peu, hein. Bon, l'argent monte. Les habitants aussi. Ici, je vais faire péter un autre réservoir. Et on va relancer ici, comme ça, des... tout un quartier d'habitation. Ah, t'as joué de Panzerkorps, moi aussi. J'ai hâte de jouer à Panzerkorps, c'est terrible. Hein, la plus grosse route, c'est vrai que j'ai jamais fait de... J'ai jamais fait des 74 de... Les grandes routes.
Bah, le but maintenant, ça va être de parquer les gens. En soi, le niveau de prospérité n'est pas si dur que ça à avoir. Non! Si, c'est bon. Hop, voilà. On va rejoindre tout ça. Voilà. Ah, mais Hiro, les gens, ils savent lire, t'inquiète! Alors, les statues. Voilà. Petit jardin. Voilà. Là, on va pouvoir faire péter de la ferme de blé. Hein. Vous allez voir, là, on va se régaler. Hein. Ça va être indécent ce qu'on va faire. Hein. Comme ça. Ça passe. Voilà. Le futur. Parfait. Préfecture. Étude d'ingénieur. Le blé est plus rapide que la viande. Ouais, le blé est deux fois plus rapide. C'est pour ça que le blé est plus intéressant à poser. Quand t'as des très grandes villes à nourrir, le blé, il y a moins de contraintes sur le blé. On va mettre un nouveau grenier. Granary. Voilà. On va autoriser le blé et les légumes. On va faire péter les marchés. Voilà. Les dieux, ça donne quoi? Indifférent, Vénus. Vénus, Mercure. Vénus. Vénus. Voilà. Petit temple, Mercure. Ah. Ouais, tu n'as pas de blé. Ouais, le blé, c'est la vie. Littéralement, hein, le blé, c'est la vie. L'argent, roi. Regardez, là, tous les gens qui arrivent, c'est ce qu'on veut. 6300 habitants. Mon Colisée, il en est où? Mon Colisée avance bien. Il nous manque 20 de marbre, des briques et du bois. Le marbre, on en a tout le tour du ventre. Les briques aussi, ça va aller. J'ai l'impression qu'il faut toujours plus de... Et si je mets de la plaza? Non, pas tout de suite. On va mettre des plaza. Pas trop. Il ne faudrait pas qu'il soit trop content non plus. Voilà. J'ai trop de poteries. Je vais faire un autre dépôt. Je vais installer un autre dépôt juste pour stocker de la poterie. Vous allez voir. Hop. Tu pourrais tuer les loups à l'ouest. Absolument. Absolument. Je vais le faire. On va faire ça. Accepter. Et on va juste mettre 16. 16. Et on va faire un dépôt permanent de poterie et de meubles. Pour faire évoluer tout ça. Tuer les loups. Ouais. Des légionnaires. C'est parti. Et on va installer aussi Docteur Barbier. Des routes pour accélérer le processus. Là. Voilà. Claraca est en train d'arriver. L'argent coule à flot avec le caravansail. On va pouvoir continuer à améliorer les villes. Pourquoi ils évoluent plus ici? Bassaus, ouais, ça va. Je vais te mettre en Bassaus avec moi. Voilà, tu es content. Et ici, pourquoi ils sont pas contents? Un hôpital, ça s'arrange. Hôpital. Ah, content. You need more workers, je sais. Je sais qu'on a besoin de plus de gens. Mais ça arrive. Ça arrive. Oh non! Ça va me coûter moins cher d'exporter mes meubles. Ça me fait chier par contre. Attends, attends, si je trouve pas les employés, allez, c'est une blague. Ah.
Les poteries arrivent. Là, toute la bouffe va aller là. Voilà. Et bon. Ça avance bien. Ça avance bien. Ici, je vais détruire. Allez, chopez-les. Il y a un sondage de Creative Assembly. Ouais, mais les sondages... C'est Creative Assembly, là, ils viennent de virer une chier d'employés. Hein. T'inquiète pas que... Voilà, hein. Compte pas sur Creative Assembly pour faire du contenu Seigneur des Anneaux, hein. Oublie. Invocation. Ici, me manque des bêtes, peut-être. Oh non, ça passe. Bon, il en est où, mon Colisée? Il me manque des briques, mais les briques, il y en a plein de dispo pourtant. Ça va venir. Alors, est-ce que les gens... La prospérité, ça va monter. La paix, ça monte. Faveur, ça monte. La pop, c'est en train de monter. Tout là, on va mettre les écoles. On va mettre les bains. Basse. Basse. Voilà. On va mettre un... Une petite arène pas loin. Voilà. Gagner de l'argent à mettre 3 ou un Empire 2. Ouais, mais ils le feront pas. En fait, je pense qu'ils ne savent même plus faire ce genre de jeu. Je pense qu'ils savent plus faire ce genre de jeu. Mettre 3, on l'a déjà. Hein. Mettre 3, c'est. C'est médiéval 1212. Voilà. On va faire évoluer tout ça. On va mettre des théâtres. Voilà. Ils arriveront pas par ici, les ennemis. Les ennemis sont obligés d'arriver par là. César! Oh non, non! Dispatch, relieve force and quickly! Il veut quoi comme, comme force? An average force. Je vais envoyer éventuellement deux légions pause. Deux légions légionnaires. Dispatch, je veux les forces. Non. C'est là. Légionnaire. C'est compliqué. Hein. Deux légionnaires. Il me restera pour défendre. Javeline, légionnaire. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais envoyer légionnaire, javeline. Voilà. Et je garde double légionnaire et javeline. C'est chaud quand même de me demander ça, putain, sur une mission comme ça. César, il me pète un peu les noix, on va pas se le cacher, hein. C'est parti. Et je vais continuer à mettre des défenses en support. Je vais aussi mettre des défenses au sud. Je vais mettre des défenses ici. Voilà. J'ai de l'argent, on peut se permettre. Et s'il faut, j'augmenterai la... Je mettrai une ville à proximité. Je mettrai un quartier d'habitation juste pour ça. Voilà. Époque Black and White. C'est quoi Black and White? On dirait le nom d'un mauvais porno. Hein. Ça me dit rien. C'est 4 jours. Même le nom me dit rien. Pourtant, d'habitude, voilà, je connais quoi, un petit peu quoi. C'est un jeu stratégique. Alors, mon Colisée. Oh, mon Colisée, on y est presque. Et il me reste un petit peu de marbre. Ok, la ville est pas mal.
supply and furniture. Ce qu'on va faire, comme pour avant, on va mettre une warehouse. On va mettre une warehouse qui va autoriser uniquement. Allez, par les créateurs de fables, je m'étais bien régalé. Je m'étais bien régalé sur Fable. Quand je vois ce que sont devenus les fables actuelles, leur espèce d'affreux machin là, au secours. Hein. Mais non, j'ai dit de la merde là, putain, non mais. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je suis un âne batté. C'était ça que je voulais faire. Voilà. Ave César! Ave Pépé! Bon, on a de l'habitant qui arrive. Hein. On est à 7000 habitants! Hein. Ici, on a les fortifs qui sont en train d'être faites. Je vais même me payer le luxe. Vous savez quoi? De faire ça. Comme ça. Et un nouveau quartier. Parfait, ça passe. Donc, le but c'est d'avoir des habitants maintenant. Je vais pas être trop regardant sur. Sur la qualité, il me faut juste de la viande et de la viande. Une statue de légionnaire. Ah non, c'est trop gros. Au pire, la statue de légionnaire, on va la mettre là. Voilà, ils vont être contents comme ça. Jardin. Voilà. Et une petite statue. Hein. Statue de la déesse. Ou un buste de sénateur. Voilà. Ça veut dire quoi, petit coup, c'est bien nouveau. Putain, c'est compliqué. Ça date surtout. J'ai jamais changé parce que j'aime bien mon sujet. Hop là. Il préfère pas en parler. Il y a que dalle à en dire. Il y a surtout que dalle à en dire. Il préfère pas en parler. J'ai expliqué plein de fois dans des FAQ et tout ça. C'était là. C'est pas intéressant. Marquette. Hop là. Hop là. Je préfère Megapithosaurus Rex. Ça c'était cool. Hein. Quand j'étais au collège. Jeune puceau, c'était le pseudo, voilà. Génial. School or library. Library. Culture, c'est bon. Prospérité, on y arrive. La paix, on y arrive. Faveur, c'est bon. Il me manque 3000 habitants. On va y arriver aussi. That's full, indifférent. Mercure, Mercure, je vais te mettre un petit temple. Mercure, voilà. Je vais aussi mettre un oracle. Oracle, oracle. Oh, bah, je crois que maintenant j'ai plus assez de. Oh, my wife, sorry. Il me manque. Ah, il me manque que 13 employés dans ma ville là. Que 13 employés, c'est pas mal là. Allez, une petite préfecture. Une étude d'ingénieur. Un docteur, un barbier, les classiques. Ici, on a installé les fortifs. On va raser tout ça, là. Et on va essayer de voir jusqu'où on pourrait produire. Voilà. Voilà. Il va me falloir plus de meubles. Il va me falloir plus de meubles. Ce qui n'est pas un problème en soi d'augmenter la production de meubles. Workshop. Fourniture. On va faire un bloc entier pour les meubles. César est pas content, mais arrête de me faire chier, César. Voilà. Voilà. La vie est énorme. Gérer les besoins de 10 000 habitants, c'est sport. Je vais donner mon salaire à la ville. Gift to the city. Voilà, 2000. Ça me permet de continuer à travailler. Imaginez là tous les hommes politiques qui redonneraient tout leur salaire.
un petit théâtre, une école. Ah bah alors, Linkou, on essaie de spam des liens dans mon chat. Ah, mon autobot veille. Hein. Ah bah, à tes frais, pardi. Gérard, il va manger à tes frais, il t'enverra la note. Il t'enverra la note, et puis voilà. Ah, mais heureusement, je peux pas autoriser les liens. T'imagines si j'autorise les liens? Le bordel que c'est, les gens qui mettent n'importe quoi dans le chat. J'aurais des soucis. Hein. Eh ouais. Et je suis trop fainéant pour faire une liste de personnes de confiance, toi. Allez, 7500 habitants, ça monte. On a augmenté les taxes. Les gens continuent d'arriver dans la ville. T'as accès au barbeur, c'est une blague, t'as pas accès à un barbier, mais un barbier, il y en a un juste là, espèce de connard. Barbier, docteur. Ok, il y a une attaque imminente. Bon, vu que je fais de l'argent, je vais tenter de lancer une nouvelle... au niveau de... Ça donne quoi au niveau de la prod? Bah, on est pas mal. On est pas mal, 35 mecs non employés. Je vais ici, là, pas loin des habitations, installer un nouveau dépôt. Un dépôt spécial. Lui va accepter les olives. Et je vais commencer à importer des olives avec pour idée de faire de l'huile. Importing max, voilà. Un nouveau dépôt. Comme ça. Voilà, c'est un grand plan quinquennal. Lui autorisera uniquement l'huile fraîche à venir. Voilà. Oh, mais un bâtiment qui s'effondre. Oh, mais merde. Oh, Ingenieur Post. Culture. Vas-y, tout-moi ça. Oh, le Colisée est terminé! Mon Colisée, bon, il va me falloir 100 employés dans le Colisée, au secours, pour trouver 100 employés, juste quand je préparais un plan d'extension. C'est quoi le bâtiment qui s'est effondré? Collapse Building, un théâtre, ok. Un théâtre qui s'est effondré, je ne me rappelle plus où il s'est effondré. Il s'est effondré où, cette merde de théâtre, là? Là. Il a plongé dans la Seine. Ah bah écoute, j'ai hâte de voir les débiles là aller nager dans la Seine. J'ai hâte de voir ça. Ça va être épique. Hein. Et ici, on va pouvoir faire tout. On va pouvoir tout dynamiter. Voilà. Et je pense que je vais installer un quartier d'habitation. Je vais garder ça pour peut-être plus tard. Voilà. Réservoir. Et là, on va installer comme ça des gens. Merde, j'ai pas mis le réservoir, c'est une blague. Voilà. Voilà. Regardez, là, on va installer un nouveau quartier. Et le seul but va être de me fournir des employés pas chers. Comme ça. Fontaine. Fontaine. On va installer les petites statues qui vont bien. Ah, le... Ça y est, on a... Impossible de faire un hippodrome. Si, mais là, c'est un peu compliqué. J'ai pas besoin de faire un hippodrome en fait. La faveur c'est bon, et là il me faut de la pop pour le moment. Beaucoup de pop. Market. Voilà. Et ici, on va installer les routes qui vont bien.
workshop oil. Ah. Voilà. La production d'huile est lancée. On va se régaler. Magnifique. Et on va même mettre un temple à Neptune. On va commencer à... En sorte que Neptune m'aime bien. Donc ça doute quoi les dieux. Les dieux restful, Neptune, normal. Oh putain, ils sont tous mécontents ces connards. Cérès. Il faudrait peut-être que j'importe du... Je vais réimporter une énorme série de marbre. Pour faire des... ouais. Le problème c'est que je fais pas de marbre. Le marbre ça coûte très cher. Ça va me coûter du blé. Mais c'est pas perdu. Oracle. Voilà. Cérès. Mercure. Vénus. Mars. Ah. Vraiment, ils vont finir par être contents, tous ces connards là. Pas mal. La production d'huile est commencée. Les briquettes, c'est bon. On est lancé. Pas mal. Et on est à 8000 habitants. Et avec l'huile, on va faire évoluer les maisons. Voilà. Qui parle d'un moteur aerospike. Oh non, c'est pas une connerie. C'est. Ça fait un bout de temps que ça bosse sur ce genre de choses et tout ça. Dans la mule spatiale, je parle pas de toutes les innovations, de tous les tests, de nouvelles tech qui sont faites. Hein. Parfait. Là, on a relancé du meuble, du bois. Tout ça, ça va évoluer très rapidement. On va directement mettre les écoles. Les bains. Petit docteur. Barbier docteur. Il me manque que 2000 habitants, ça peut aller très vite. Surtout que là, je pourrais éventuellement... allez, on va faire sauter ça. Je vais remettre des quartiers à pauvres. Voilà. Ça passe crème. Parfait. Hop. Ouh le marbre. Ouh le marbre. Quand le marbre arrive, je vois qu'au niveau argent, ça pique. Hein. Ça fait très très mal. Je sais pas combien coûte le marbre, mais ça coûte un putain de bras. J'ai une attaque imminente, hein. Je vais être attaqué d'un moment à l'autre. Je suis même pas sûr que ça va... Que mes défenses vont suffire. On l'espère. Je serre un petit peu les fesses. Prospérité, c'est en train de monter. La paix, on n'en est pas loin aussi. Il me faut 52 paix. Tiens donc le zif de Pépé, je vais autoriser ton message, parce que branler, alors, penses-tu que notre génération 82 000 est une génération gâchée qui se tend à se tirer mon disait, nous sommes qu'une prochaine de prétentieux que nous pourrions branler. Je pense que chacun a son parcours, hein. Tout simplement. Mais clairement, là, moi, j'approche de la quarantaine, je vais pas aller crever ni pour Macron, ni pour von der Leyen, ni pour Zelensky, ni pour Poutine. Hein. J'en ai rien à battre de leur connerie. Hein. Rien à foutre. Hors question d'aller crever pour ces gens. Donc ouais, chacun sa merde. Et je suis très heureux d'avoir pu grandir sans réseaux sociaux et compagnie. Ça, je vous le dis.
Indifférent, Mercure, je vais te mettre un petit temple. Tu seras content. Mercure. On va faire péter les théâtres. Théâtre. Et éventuellement les amphithéâtres. Soyons fous. Amphithéâtre. Vous parlez comme des vieux cons, les gars. Ah, dans ma jeunesse. Oh, mes premières huiles sont arrivées. J'ai des villas. J'ai des villas. Enfin, des villas, j'ai des... pardon, des larges insulae. Ici, je serais enclin à mettre un réservoir. Un réservoir comme ça pour faire un quartier d'habitation ici. Voilà. Je vais faire une dérivation de l'aqueduc. Hop. Comme ça. Et je vais faire un quartier d'habitation ici. Ce sera pas exceptionnel. Et qui va permettre de... Ah ouais, putain, il va être dégueulasse, hein. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Parfait. Je suis un jeune con. Tu as quel âge, Malronce? Ah bah, hé, je vous cache pas que je voudrais pas avoir 20 ans maintenant. Hein. Je voudrais pas avoir 20 ans maintenant. Hein. Les mecs, ils sont baisés, les pauvres. Hein. Ils sont totalement... En France, ils sont totalement niqués. Faut se barrer. Enfin, quel est l'intérêt de rester en France aujourd'hui? À part la langue, si tu parles pas anglais, mais faut... Enfin, quand tu vois la gueule du pays, et surtout quand tu vois la crise qui va arriver, parce que ça va élaguer sévère, il y a... Enfin, je voudrais pas être en France maintenant. Oh mon argent, moins 6000! Le marbre. Le marbre. Le marbre, c'est une catastrophe. Le marbre, j'ai fait de la merde. J'avais pas vu. Mais non, j'ai encore fait de la merde. Au secours. Oh là là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une très très grosse bêtise. J'ai dépensé comme un dingue. Oh mon argent. Ok, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, allez, on rembourse. 4000, voilà, allez. J'ai quoi en caisse là? Ouais, j'ai que 520 dans mes économies. 24 ans! Ah bah toi mon gars, t'es un sacrifié. Hein. Toi, ta retraite, si t'as 24 ans, ta retraite t'en auras pas. Tu vois? Habitue-toi à l'idée que t'auras un gros coup de pied dans le cul. Et voilà. C'est tout ce que t'auras. Je voudrais pas avoir 26 ans là. Parce que tu sais que toi, t'es... Si t'as un cerveau, tu sais que t'es niqué, tu vois. Tu sais que t'es totalement niqué. Ok, ils arrivent. Ok, ils sont dans le sud, c'est parfait. Bon, on va devoir défendre avec ça. Eh, hey, c'est vrai que c'est... Une guerre serait très pratique pour certaines personnes. Hein. Vu l'état de la France, je pense que Macron, une petite guerre en Ukraine, l'arrange énormément pour ne pas avoir à faire face au désastre français. Neptune. Mars. Voilà. Après ça, c'est une supposition, hein. Et moi je le pense très très fortement. Hein. Oh non mais... Il faut encore que je stocke les légumes. Stockpiling aux sources. Voilà. Et ici, on va le refuser. Refuse. Voilà. En achetant de l'or, des matières précieuses, bien sûr. Il faut acheter des valeurs étalons. Même du bitcoin, hein. Si t'as trop d'argent et que t'as déjà investi dans pas mal de choses, le bitcoin est une valeur refuge aujourd'hui. Hein.
si le Bitcoin vaut aussi cher, c'est qu'il y a des gens derrière qui font des stocks de Bitcoin, dont des groupes, des privés. C'est pas un truc d'honneur le Bitcoin. C'est considéré comme une valeur refuge aujourd'hui. Qui subit plein l'inflation, ce qui est une énorme... La pierre, c'est très bien aussi. Valeur sûre. Moi, je suis trop pauvre pour investir dans quoi que ce soit. Oulala, oulala, ok. Oh ma force! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a le droit pour construire une nouvelle arche! Allez, on va protéger les murs. Voilà, allez, et là, hop! Allez, on défend! On défend sous les murs avec les balistes! Allez, c'est bon, oh la bataille sous les murs, épica! Là, je te dis, je fais pousser tomates, patates. Cet été, je vais me régaler. Et si vous pouviez voir le prix du kilo de patates et de tomates en Islande, c'est plus rentable de faire pousser ça chez toi avec des lampes que d'en acheter. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. On a du mal à croire. Ok. Bon. J'ai 7% de chômage. Par contre, mon argent, c'est pas brillant. Je vais casser ça, là. Et je vais mettre des statues à la place. Statue. Legendary statue. Allez, l'argent. 2232, on y est presque à rembourser. Hein. On y est presque à rembourser. Et comme un con avec tout le marbre que j'ai acheté aussi. Vous savez qu'on est, on va sur les 9000 habitants. Hein. L'argent avant décembre, eh ouais. Les armes, ils vont encore acheter des armes avant, je l'espère. Des armes et quelques poteries. Mais les armes vont être rentables, on espère qu'il y a des marchands qui arrivent vite acheter des armes. Parce que là... c'est compliqué. Bon après ces armes, bah la bonne quand même. 71, eh César, il va pas m'envoyer direct des légions dans la gueule hein. César, là, il me mange dans la main. J'ai sauvé son machin, il peut bien faire une petite entorse sur le merdier. Même l'immobilier est verrouillé. Non, mais... Vous savez que si la France, là, elle perd ses bonnes notations au niveau... emprunt et tout, ça va aussi se répercuter sur les banques et sur vos emprunts à vous. Donc quand l'État fait de la merde comme là, c'est aussi les gens qui vont devoir payer et tout ça. Ça va être... Ah, c'est beau. Eh, il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Va falloir assumer les boys maintenant. Hein. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. Hein. Oh, l'argent, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donner à la ville. Tac. Je repasse en positif. On va mettre les écoles. Voilà. Je vais pouvoir mettre les barbiers et les docteurs. Voilà. C'est pareil. La petite école qui va bien. Le bain. Voilà. Oh, Cérès qui fait péter tous les crops. Pas mal là, hein, mon infrastructure. Hein. Mais ouais, moi je me suis renseigné sérieusement pour les européennes, mais j'ai aucun candidat qui m'intéresse. Y a aucun candidat de fiable et de sérieux. Oh, l'argent qui monte, voilà, allez, l'argent, voilà. Ça, c'est les armes, ça. Ça, c'est les armes. Voilà, les armes. On se régale. On va envoyer à César le merdier. Ici, je vais autoriser les légumes à être exploités. Vegetables, voilà, c'est parti.
J'avais vu l'euro aussi bas, c'est un truc de dingue l'euro. Et c'est que le début, hein. Vu les milliards qu'on imprime. Là, ils veulent donner 100 milliards à l'Ukraine. C'était là. Pardon. Pardon. L'Ukraine qui est en train de perdre la guerre. Ou en tout cas, ça se passe pas bien du tout en Ukraine. Et là, ah pardon, vous voulez donner 100 milliards. Alors donner 100 milliards, mais ils sont en train de perdre. 9000 habitants, les gars. Ça monte bien. Eh, on y est presque, hein. Culture, c'est bon. Prospérité, c'est bon. La paix, c'est bon. La faveur, c'est bon. La prochaine carte, c'est pas Londres. Bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire péter les plazas, là. Voilà. Hop. Allez, on fait évoluer tout ça. Je vais même rajouter de la bouffe. Hein. Je vais même rajouter de la bouffe, hein, parce que je peux littéralement me permettre ces dingueries. Ah, ça, dommage. Ça aurait été parfait. Ou Damas. Oh putain, Damas. Oh, j'ai pas hâte à ça. Ou j'ai pas hâte à... aux villes orientales, là. Dès qu'il y a trop de chaleur, là, et que tout brûle. C'est mon cauchemar. Hein. Et elle est belle, ma production de blé. Hein. C'est pas opti, mais ça tourne. Hein. Vous avez vu ça? C'est pas opti, mais ça tourne. Les 4 greniers aux 4 points cardinaux. Tac, 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 tac. Et là, je suis sûr qu'il y a moyen ici d'en mettre encore. Bon, on va commencer à investir dans des... vu que j'ai pas mal de marbre. Oh, j'ai le droit à une nouvelle arche triomphale. On va dire que c'était R, voilà, pour tourner le bâtiment. Une nouvelle arche triomphale. Ou est-ce que... est-ce que je mettrais pas mon arche ici, par exemple? Ça serait classe, hein. Je vais déplacer mon temple de Vénus. Mon temple de Vénus, voilà. Je vais déplacer... mon forum. Forum. Arrête de me faire chier. Voilà. Comme ça. Et là. Arche triomphale. Ah, ça passe pas. Cause. Ça passe pas à cause de cette merde là. Attendez. Arche triomphale. Non mais y'a des gens. Y'a des gens. Cassez-vous. Voilà. Ouais, les deux sont pas contents, je sais. Road. Voilà. Et ça, on accepte tout. Je joue pas beaucoup avec les roadblocks. Moi, j'ai toujours appris à la vanille, il n'y avait pas de roadblock. Donc j'ai appris à optimiser ça. Sans avoir de roadblock. Voilà, regardez ça. A fumé une cigarette dans le dépôt là. Ouh, j'ai même des... j'ai même des larges. J'ai des grandes insulae. 9300 habitants. On est pas mal. Oh, Plague, juste quand j'ouvre ma grande gueule. Juste quand j'ouvre ma grande gueule. Oh, j'ai trop... j'ai 10% de chômage. J'ai trop de chômage dans la ville. Et le problème, c'est que là, mon argent, il faut que j'y aille mollo parce que. Avril. Et c'est win. Ouais, ouais, tu sais que ça va monter tout seul. Parce qu'avec mon huile. Tu sais, là, je fais pas mal d'huile. Et l'huile finit exportée, ça part. Donc on est. Tout est en train de monter, en fait. On a de plus en plus de gens qui arrivent simplement avec la. Mais c'est vrai qu'il y a un autre quartier, éventuellement. Dans le sud, ici. Pour accélérer un peu le mouvement, là. Comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Bah, si, ça y est, j'ai de l'argent. Sûrement une grosse vente en cours. On n'aura même pas eu besoin d'importer du vin. Voilà. Hop là. 10% de sommage, c'est une question de point de vue. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais te mettre tout ça au travail, là. Tu vas voir, c'est des fainéants. Ils vont aux Bahamas. Voilà. C'est beau, là.
crois qu'ils veulent couper les indemnités. Et maintenant qu'il y a un 5,6% de déficit, les gars, vous allez en France en prendre plein la gueule. Genre, en termes de perspective d'avenir, c'est un désastre. Et vous savez, le FMI est pas loin. Il y a une odeur de graisse. Peut-être que certains étaient trop jeunes. Vous vous rappelez de la graisse? Hein? Il y a une odeur de graisse qui est pas loin. Hein? Hop là. Docteur, on se prépare. Voilà. Allez, 9400 habitants. L'argent c'est ric-rac. L'argent c'est ric-rac, mais ça monte. Il a mis à genoux l'économie russe. Ah bah ouais, mais. Hey. Est-ce que t'as vu Mathildi? Est-ce que t'as vu mon émote Bruno Le Maire? Quelqu'un peut mettre mon émote dynamique Bruno Le Maire dans le chat? Montrez-lui un peu l'œuvre d'art, j'en suis très très fier. Les mots dynamiques Bruno Le Maire. Regarde, oh là là! Super! C'est. J'en ai fait des belles. Hein. Celle-là, je l'adore. Au niveau de mes temples. Mes temples. Indifférent. Qui est indifférent? Ah ouais. Cérès. Cérès, Mercure, Vénus. Cérès, Mercure, Vénus. Cérès. Voilà. Mercure. Vénus. Ah, Bruno, Bruno, notre champion, notre champion. Oracle. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans Bruno Le Maire, hein? Moi, je vous demande, hein. Pas mal. C'est incroyable la quantité de conneries que Bruno Le Maire a pu sortir. Habitants, ça augmente tranquillement. Normalement, avec ce quartier, ça devrait nous mettre bien. Théâtre, école. Je vais faire péter les plazas. Voilà. Ouf, ça coûte une blinde. Regardez ça, si c'est pas beau. Clac. 9600. Je pense que ça va être bon avec toute la nouvelle racaille qui arrive. Eh, elle est belle, ma villa. On peut dire ce qu'on veut, mais j'ai réussi une jolie ville. Du premier coup, Lutèce. J'ai beaucoup de chômeurs, mais ça, on va mettre tout ça au travail. César, il m'adore. Je vais leur mettre un hôpital ici, comme ça ils seront contents. Voilà. On va rajouter une préfecture d'ingénieur. Ingénieur post. Et Stéphane Penzel, putain. Jolie punchline, putain. Tu le. T'as jamais aussi bien. Porter ton pseudo, toi. Oh, regardez la quantité de ferme qu'on a. Oh là 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 là. Eh, hey. Hop. Vous voulez bosser? Vous voulez bosser? Il y a qu'à traverser la rue. Regardez. Oh putain. Il y a véritablement qu'à traverser la rue, là. Chez moi. Préfecture. Études d'ingénieur. Papa. Super. Pas mal. C'est quoi toutes ces fermes? Mais tu sais que pour nourrir 10 000 habitants, il faut au moins ça. J'ai 4 greniers et j'ai optimisé ma ville autour de ce pool. De ce pool de bouffe parce que. Il me faut au moins ça pour réussir à tout faire à tout nourrir. Ouh, mais ici il me faudrait une arène. Une petite arène pour le spectacle. Hop là. Hop. Eh, 9800 habitants! Eh, on va profiter des 180 derniers habitants qui arrivent. Regardez, il y a de la racaille.
On en est pas loin. Ça fait plaisir. Ça aurait été une belle game. Un beau petit scénar, j'ai hâte de voir ce qu'il y a en suivant. Damas, vous m'avez dit. Damas ou Césaré. Regardez la quantité d'huile, ça tombe bien là. Ici, alors faut quoi hein. C'est tout. A library. Mais ça, ça sert à rien, une librairie. Tout le monde, tu l'as. Tiens, une librairie. Et ici, c'est quoi le souci? Pourquoi vous n'êtes pas content? Fourniture. Et ici, pourquoi vous n'êtes pas content? A library, ça peut s'arranger, la librairie. Tiens, en voilà une. Tac. Et ici, une librairie. Mais ils veulent tous des librairies là. Voilà. Ça coûte cher. Mais ça va peut-être les faire évoluer. Allez, 9900. Oh là 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 là, le plaisir. 9900, il me manque 100 habitants sur 10 000. C'était quand même beaucoup d'habitants. Wouh! Consul! Allez. Oh putain, mon café, pardon! Voilà! Surely Caesar Augustus must have foreseen your coming when he predicted our absorption. Au fonctionnaire, ouais hein. Au fonctionnaire, là on monte un peu. Préfet, c'est terminé, fini le placard à balai. Alors, il y a le choix entre Césarée, en effet, et Damas. Césarée, somewhat peaceful provinces. On va aller voir un petit peu ce qu'il se dit. Hein. 70 de prospérité, pardon? Are you surprised that I would say that? We do not advertise Rome's failures, preferring to handle them. C'est chaud, 70 de prospérité, hein. Sadly, some. Ah, je commence direct avec une ville pourrie. Oh, d'accord. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette ville de merde? Il y a des fermes là. Ouais, il y a des fermes. Je présume. Oh là là. Et en plus, je suis attaqué, hein. Et en plus, je suis attaqué! Non, mais non, 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 mais... Au secours! Je peux acheter... Je peux vendre du vin, ok? Je peux acheter des légumes au niveau bouffe. Je peux acheter du charbon. Ah non, mais si je dois acheter mon charbon, c'est la cata. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux faire des fermes de blé, au moins? Ok, je peux faire des fermes de blé, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de terres arables. Hein. Je vais pas nourrir 7000 habitants avec ça, hein. J'ai la pêche? Est-ce que j'ai accès à la pêche? Là-haut, là. J'ai accès au... Ok. Mais non. C'est une blague. Lighthouse. Oh, j'ai pas accès à la pêche. Pourtant, j'aurais pu mettre quelques bateaux. Bon, on va aller voir... on va aller voir Damas, hein. Alors, Damascus. Ok, 55 de prospérité, c'est plus acceptable, 6000. Ok, pas mal de bouffe. Pas mal de bouffe. Il y a moyen de faire quelque chose. Au niveau du trade, ça m'achète des meubles et ça m'achète du vin et de l'huile. Très intéressant. Il y a aussi les locaux. Ah ouais, il y a plein de locaux. Mais les locaux sont intéressants parce que les locaux, moi je les garde. Les locaux, ils viennent vous acheter des ressources. Les locaux sont intéressants à avoir sous la main. Et au niveau des ressources, raw material, Iron Man, stone, ok, on a le fer et tout ça pour faire des armes. Éventuellement, on va sûrement avoir de la bagarre. Hein. Et ils m'achètent. Huile et vin, donc est-ce que je peux faire raw materials? Attends, ouais, farm, olive, vigne, et est-ce que je pourrais acheter? Je pourrais par exemple acheter des olives, les processer et les vendre en tant qu'huile et tirer un petit. Du profit. Ah non, ils achètent, merde, ils vendent pas.
éventuellement, par contre, ils vendent du blé, j'ai des bêtises. Ils vendent du blé. Le blé, c'est parfait, hein. Vous en achetez à coût de 40. Hein. Vous allez voir le blé, ça va alimenter toute la ville. On va, allez, on ira sur Damas, hein. Moi, je vous le dis, on viendra jouer à Damas. Parce que, fuck it, hein. L'autre, là, à 70 de prospérité, au secours, hein. E10, voilà. Bon, je m'arrête là, ce soir, on fera du... on continuera le run avec les gobelins, je crois, ouais, run avec les gobelins. Et normalement, demain, j'ai hâte de continuer Panzer Corps dans les Ardennes, ça va chauffer. Et en soirée, peut-être que je ferai du Dolabrot, je continuerai mon petit run avec Dolabrot, c'est déjà pas mal. Et bah, sur ce, passe une bonne après-midi, peut-être à ce soir, sinon passe une bonne fin de semaine, et je vous dis ciao, ciao. Allez, c'est tout, bye bye.